Yo les petits beaux gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va enfin pouvoir découvrir notre petit T-Rex. Comme vous pouvez voir, j'ai le level 307 et oui, je l'ai du coup fini de mon côté, histoire de dire que bah, cette vidéo on le découvre et puis surtout on puisse vraiment jouer quoi. Qu'on puisse cliquer tout simplement et voir sa transformation et tout. Et donc là, du coup, normalement, il y a peut-être les boss qui vont pas tarder à spawn. Bah non, apparemment, il est pas là. Mince, alors le bug. Ah bah super. Bah là, du coup, je vais me faire les autres pirates, les millionnaires. J'arrive, les gars. J'arrive. Hop. Bon, du coup, alors, qu'est-ce que j'en pense déjà pour farm? En vrai, pour farm, il est good. En vrai, ça va. Il est good. Il est sympa. Comme vous pouvez voir, les clics sont toujours de toute beauté. Le petit Z. Il est exceptionnel. J'aime beaucoup le Z, il est sympa. Dommage qu'il n'a pas une plus grosse portée. Mais bon, on fait avec. Ça, le hurlement du T-Rex est vraiment good. Ça, par contre, c'est vraiment mon attaque que je préfère avec le C. Ah, le C, il est vraiment stylé. Il est incroyable. Vous allez voir surtout quand il va être. Quand je vais être surtout transformé, ça va être insane. Ensuite, bah, du coup, le truc qu'on n'avait pas vu, c'est le F, les gars. Et bah, on charge. Là. Je vous le dis, les gars, on va sauter. Wouhou! Voilà. Ça fait des bons damage. Hein. En vrai, de vrai, on va pas se mentir. Ça fait vraiment des bons damage. Et ça, c'est cool. Ok, bing. Allez, ciao. Salut, le noob. Donc, compteur de la furie, c'est au maximum. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Transformation! Boom! J'adore. Regardez comment il saute. Boing, boing, boing. Et c'est trop stylé, hein? Regarde. On dirait vraiment genre un lézard. Regardez quand on dash sur le côté. Boing, 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 boing. On fait la salsa. Et ouais, boing, boing. Voilà, bref. Moi, j'aime bien. En plus, il y a pas mal de mobilité. Voilà. Comme vous pouvez entendre le bruit. Voilà. Franchement, moi, j'aime bien. Je le trouve grave joli. En plus, tu vois le gros croc, là, la mâchoire. En vrai, franchement, il est sympa. Moi, j'aime bien. C'est un joli fruit. Après, je pense que les gens vont pas l'aimer, voilà, parce que les gens, ils ont été assez déçus, voilà. Moi, personnellement, pour le début, bah, je l'aime bien, voilà, je le trouve joli, parce que bah, peut-être aussi, à mon avis, il est un petit peu biaisé, étant donné que j'aime beaucoup les dinosaures, mais bon, voilà, on fait avec. Alors, chose à savoir, du coup, il y a un passif, quand vous le tapez, il y a une marque, là, comme vous pouvez voir, on met des dégâts. Donc, autant vous dire, si vous jouez avec, vous êtes en V4, Seaborn, là je vous dis que les gars ça pique, là ça pique vraiment très très fort et du coup ça, je trouve ça assez cool. Bref, revenons à nos petits moutons. Donc du coup nous avons notre petit Z, hop, et là bon, super, ça me l'a envoyé parce qu'ils m'ont poussé. Et les gars, arrêtez de faire n'importe quoi, là je suis en vidéo, laissez moi tranquille, je veux faire ma vidéo tranquille. Allez hop là, ciao le noob. Ok, donc du coup nous avons le Z et boum, voilà. En vrai ça fait des jolis damage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Le X, toujours le même. Oh, c'est pas vrai, les gars. Arrêtez de me déranger, bon Dieu. Au plat. Et là, du coup, on a le F aussi, pareil. Oh, le F, il est exceptionnel, les gars, pour rush les gens. Oh, paf. Et franchement, j'adore. Hop là. Et du coup, le Z, franchement, il est vraiment good. Après, je sais pas si... Attends, je sais pas, on peut aller jusqu'où. Ah ouais, on en fait de la route quand même, hein. Ah, on fait vraiment de la route. Ok, c'est vraiment good. Et boum. Et c'est ciao. Oh, ça pique. Ah, ça pique. Ah, j'aime beaucoup. Ok, et là, du coup, nous avons notre C. Oh, le C, il est exceptionnel, les gars. Vous allez voir, on va le dévorer, le type, là. Boum. Alors, j'ai mis ce clic. C'est vraiment pas la touche que je voulais faire. Je voulais faire celle-là. Hop. Hop. Boum. Et on l'a détruit, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai trouvé un combo, il est incroyable. Ah, attendez, on va le faire. Regardez, attention, on va le faire. Hop, on charge le F, boum, on rush. Hop là. Eh ben, il est pas là. Ok. Après, vous faites le C. Hop, le C et boum. Voilà, Z et le X. Et c'est incroyable, vous avez tué le gars, il est trop fort. Non, en vrai de vrai, je rigole, mais je l'ai laissé en PVP. Bon, bien sûr, il va falloir PVP des gens qui sont pas très très doués, quoi. Mais parce que si vous PVP des gens qui bougent un peu, c'est un peu compliqué quoi, j'ai envie de vous dire. Oh, on peut monter là-haut là, ah, nion. Oh, on a déglagué. Oh purée. Oh, c'est n'importe quoi.
Oh, c'est insane. Chose qui est dommage, c'est le Z, comme d'hab, hein. Le Z, on peut jamais viser en bas. C'est toujours tout droit, c'est relou. Mais bon, on fait avec. Le C, par contre, on peut... Voilà, faire ça. Et là, tu aspires. Hop là! Et tu recraches. Impeccable. Hop là. En plus, il y a la petite forme. La petite marque, vraiment, elle est insane. La petite marque, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave, stylé. Et est-ce que... Sinon, il a spawn ou... Ah bah voilà, le petit stone. Stone. On va pouvoir se le faire, enfin. C'est pas trop tôt. Regarde, on va pouvoir faire le combo. Bougez pas. Hop, boum. Bam. Hop, hop. Et boum. Et ça fait comme des damage en vrai. C'est pas dégueu quoi. En fait, le truc, c'est si vous touchez le F... En vrai, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, hein. Vous touchez le F, vous faites super mal. Je call. Vous faites trop mal. Ouais, parce que là, vraiment, c'est dinguerie. Et boum. Là, tu le rush. Là, tu le rush. Bing, 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 bing. Allez, vas-y, viens, mon petit stun. Fais-moi passer des niveaux sur mon petit T-Rex. Oh là là. Oh, j'adore ce fruit. Ah, vraiment, je le trouve exceptionnel. En vrai, le mammouth, il était déjà bien fait, quand même. Ah. Ah bah, ouais. Je suis plus transformé. Ah, ok. Hop là. Hop là. Hop là. En tout dessus. Am. Incroyable. Ah bah là, je peux vraiment plus me transformer. Là, c'est dommage. Hop. Reviens. Oh, reviens. Ah. Ah. On t'aspire. Et hop. Tu dégages. Hop là. Oh. J'ai loupé. Mince. Ok. Hop. On va finir à coup de griffe. À coup de griffe. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire plus rien du tout. Ok, très bien. Bon. Le stone. C'est fait. Il est mort. Ah, ça, c'est fait. Ok, très bien. Donc, du coup, par rapport au petit dragon, T-Rex, franchement, il est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Pour le farm, en vrai, je pourrais le noter combien. En fait, ce qui est fort avec le T-Rex et le Kitsune, c'est qu'en fait, on peut pas vous toucher. Et là, on peut vraiment pas vous toucher. Le Kitsune est encore plus fort parce que le Kitsune, il y a un coup en plus. Et en plus, surtout, c'est que quand tu tournes, on peut tourner vraiment avec le Kitsune. Regardez, hop, hop. Et le truc... Avec le T-Rex, on peut pas le faire par contre. Allez, je vais le prendre. Hop. Et je lâche le balade où je veux. Hop. Et ça, par contre, ça, je trouve ça trop fort. Après, effectivement, le Kitsune fait beaucoup plus de dégâts à ses clics. Comme vous pouvez voir, vraiment, ses clics, ça pique un peu plus. J'ai l'impression. Attends. Ah. Et 887. Ok. 887, il est level 113. Et là, du coup, si je prends un petit. Ouais mais en fait il y a que... Ouais mais attendez, on va monter le Kitsune au maximum histoire de dire que je fasse le plus de dégâts possible. Boum boum boum. Boum 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 boum. Ok, là il est chargé au taquet. Ok. Allez, vas-y viens. Et là on fait boum. Ah mais il y a une petite flamme, c'est de la triche. Ah 1500 quoi. Ah mais il y a une petite flamme quoi. Bon grosso modo il fait 1000 au départ. Ok, bon, ce qui est pas trop mal. Et le petit T-Rex, j'ai envie de l'appeler le dragon, c'est une dinguerie. Ok. Et le T-Rex, il fait... Ah ouais, 670, ça fait peut-être pas épais, hein. Ouais, mais après, est-ce que... La question, c'est est-ce que, genre, si j'ai la forme au maximum, je fais plus de dégâts? Ah ah. Alors, si je me transforme pas. Attendez, on va faire le test. Allez, venez. Hop, hop, hop. Ça va avec ta tornade là? Oh, hello! Ok, vas-y, viens. On va la voir là. On l'a pas encore eu. Ok, bravo. On va aller chercher ceux-là là vite fait. Hop, 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 hop. Ah, bah oui, mais c'est vrai que. Normalement, j'ai le bug des. Pas oui. Oui, j'ai le bug. Ok, c'est bravo. Et là? Ah, ça fait pas beaucoup hein. Et en transformé? Ça fait combien? Ah, 700. Ouais. Ouais. Bon, effectivement, les clics sont pas très violents. Hein. Ils font pas beaucoup de damage. Sachant qu'il y a vraiment le même niveau, quoi. À un niveau près, grosso modo. Donc, effectivement, c'est pas très très haut. Mais, il vaut le coup. Parce qu'il est vraiment. Après, il y a un truc qui est dommage. Qu'ils auraient dû faire, je trouve, à mon goût. Ils l'ont fait pour le Kitsune. Pourquoi ils ont pas rajouté ça? C'est un petit plus, c'est pas grand chose. Mais sur le mammouth et sur le T-Rex, et bah, qu'on puisse monter dessus. Ça aurait été vraiment cool. Parce qu'ils l'ont fait pour le Kitsune, donc pourquoi pas le faire
avec, avec le T-Rex. Là, imaginez, tu te prends mal, t'es avec ton pote là. Ici, là. Hop. Tu pars. Et salut. En vrai, ça, ça serait stylé. Enfin bref, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, je le trouve exceptionnel, le petit T-Rex. Je le trouve très joli, très beau et vachement cool à jouer. Voilà. Ça, c'est point positif. Sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo découverte du petit T-Rex vous aura plu. Vous allez me voir très souvent jouer avec le T-Rex parce que je l'aime beaucoup. Voilà, pour mon cas. Sur ce, prenez soin de vous, que du bonheur, que de bonnes choses. À la prochaine, c'était Chizto. Ciao, bye bye!